Salut tout le monde. Bon, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est au paradis. C'est clair que là franchement on peut pas mieux faire. Là ça fait quelques mois qu'on est ici à Tahiti et là on vient d'arriver à Tetiaroa. C'est une atoll à 3 heures en bateau. Et on a pris donc un catamaran et là on a plein de trucs de prévu aujourd'hui. On va vous montrer ça. Bon voilà, on s'est garé. Bon, il est 5h30, hein, donc 5h30. C'est dur. Il faut mériter, mais bon, ça va, vu le programme de la journée. En fait, on a 3 heures de catamaran pour arriver sur l'île. Et voilà, c'est parti, on vient de se prendre un petit déj. En plus on a un lever de soleil là sur Tahiti, c'est plutôt cool. En plus il fait grave beau et la vue sur Mora est juste derrière, on est au top. Bon voilà, on vient d'arriver sur l'île. T'es dans le catamaran juste derrière et là le pilote, un petit bateau à moteur, il peut juste passer au-dessus de la barrière de corail, c'est assez sport. Ouais, c'est trop beau et du coup bah là on va se poser, on a un temps off ici donc on va bien profiter. Regardez là, c'est l'île aux oiseaux juste en face. Normalement, on va y aller après. Et là, on doit longer la côte. Si c'est pas le paradis, ça, ah ouais, Camille. C'est trop beau, franchement. C'est bord à bord là, en fait. Hein. On est juste en face donc de l'île aux oiseaux et donc il y a 10 espèces présentes sur l'île. Et ce qui est cool, c'est que nous on est obligé de marcher dans l'eau, on n'a pas le droit de marcher dans le sable parce qu'ils pondent ici. Et il n'y a pas du tout de prédateurs, donc il y en a énormément. Regardez-moi là, celle-là. On a fait tout le tour à pied et on est revenu par la droite comme on n'avait pas le droit de marcher dessus. Et là, la vue avec les palmiers, le lagon. Mais là, on est vraiment au paradis. Voilà, retour au bateau. Et ouais, donc là, parce qu'on a un peu eu... faim. Ouais, surtout. Et on a eu à peu près 2 heures, je dirais, en tout. Ouais, large. Donc voilà, on peut bien profiter. Mais c'est pas fini normalement. Après, là, ça va être petit snorkeling autour de la barrière de corail. Ouais, et surtout poisson cru. C'est ça. À la maison, d'ailleurs on habite juste en face sur la colline. Là on va passer dans la passe. Bon,
on a pris une bonne douche méritée et je pense que dans 10 minutes, on va dormir. On est mort. Franchement, ça fatigue trop le bateau, mais quelle journée de malade. Et donc, on est passé par Poé Charter. On a payé 125 euros par personne. En pré-résident. C'est ça. On vous conseille de passer par eux parce que franchement, c'était trop cool. Et la journée, ça dure de 6h à 16h en gros. Hein. Ouais, on est rentré à 17h au port. Donc voilà, on vous mettra tout sur le blog de toute façon. Bon, on espère que ça vous a plu. Nous, franchement, on a trop kiffé. On s'est régalé. Et puis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.